Accompagné de oui je sois là pas ton visage. Et aujourd'hui on a un truc spécial, on va déballer un jeu. Je ne sais pas si c'est un jeu PS2 ou un jeu PS3, je sais pas. En tout cas il y a plus de choses que ce soit PS3. C'est un jeu PS2. Ah. Alors c'est lequel? Call of Duty 3 sur PS2. Oh. Et par contre, il est pas complet. En plus, il est en très bon état. J'aime pas trop ce jeu, moi. Bon, bah voilà. A plus. Et voilà. On est de retour pour tester le Call of Duty 3 sur PS2. On va allumer la console. Voilà, maintenant on va mettre le jeu. Et j'espère que ça marche parce que le jeu il était comme neuf. C'est parti. Voilà. Est-ce qu'il passe? Oui, c'est bon. Il passe. En plus, c'est le tout premier Call of Duty de Treyarch. Oui, je suis sûr que c'est ça. Attendez, je vais monter un peu la caméra. Non, je vais me faire chier parce que je vais prendre beaucoup de temps. Non, ça va, c'est bon. Attention! Non, je vais voir s'il y a de l'espace libre. Ok, c'est bon. Attention, c'est parti. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est la première fois que je teste ce jeu. Voilà. Call of Duty 3 dispose d'un système auto-sauvegarde, hein, d'accord. Et là on va voir le logo Activision et le démarrage Treyarch, tout ça. Le bon vieux logo de Treyarch. Par contre, l'écran il est mal positionné. Je vais essayer de changer ça. Je
Call of Duty 3. De gameplay sur ce jeu et c'était trop bien. Alors, non, c'est pas là. Profil, je crois que c'est là. Est-ce que je veux modifier l'écran s'il n'est pas correct? Non, on peut passer, c'est pas grave. Solo, nouvelle partie. Ah non, je veux pas mettre en difficile, non. Je vais me mettre en facile, parce que sinon je vais me faire tuer d'un coup. Le 4 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Ils prennent le contrôle de la capitale en 10 jours. Dès le 13 juin 1940, les Parisiens ont évacué la ville. Et les Allemands imposent un couvre-feu aux habitants restés sur place. La ville lumière, plongée dans les ténèbres de la guerre, attend le débarquement allié qui libérera Paris du joug nazi. Mais les opérations héroïques du jour J ne serviront à rien si les alliés ne peuvent pas tenir des positions à l'intérieur des terres de Normandie. Ça rappelle bien la Seconde Guerre mondiale, ça, n'est-ce pas? Dites-le moi dans les commentaires. Oui, 1944, c'est Seconde Guerre mondiale. Ah, les options, c'est là. Non, je vais désactiver les vibrations parce que c'est un peu trop. Mes os sont sensibles à ça. Alors là, c'était pas long. Là, à mon avis, on va s'entraîner parce que j'ai déjà vu un youtubeur qui s'appelle The Run Action N qui a joué à ça. Qui a joué à ça, par contre, sur PS3. Terminer l'entraînement, avancer jusqu'à Huxley. Tu t'appelles Nicole, c'est ça? Viens prendre ton arme. Je parie 5 billets que tu peux pas mettre 4 coups au but d'affilée. Je suis en train de jouer à Call of Duty 3. Alors. Mais alors, elle est où? Ah, elle est là. Elle est là parce que je vois un petit truc là. Qu'est-ce qui tombe là? Voilà. 4 casques d'affilée et t'auras 5 billets. Vas-y. Par contre, la sensibilité, comment elle est chiante. Je vais le mettre un peu plus. Hop, 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 hop. Ok. Retour. Oui. Confirmer l'écrasement. C'est la première fois que je joue à ce jeu, je vous le dis. Voilà, là c'est mieux. Hé, hey, Mandelbaum, je te fais mes excuses. Le pire tireur au monde, c'est Nichols. Ah, en plus, il y a la visée auto, c'est ça qui est bien. Ouah, t'as vu ça? Ah non, il y en a un là-bas. Ah, j'étais con. Hey, Nichols, fais le guet pour moi. Je vais en emporter quelques-unes. Génial! Il y a même des fumigènes. Et où le dernier? On va voir si t'arrives à en balancer une dans cette vieille grange. Tu veux essayer d'en lancer une au dernier moment?
T'es censé lancer la grenade. Oh, la goupille. Oui, c'est ça, très mauvais pour la santé. T'es censé lancer la grenade. Pas la goupille. T'es censé lancer la grenade. Pas la goupille. Oh. T'es censé lancer la grenade. Ben, c'est ce que pas je fais. La goupille. T'es censé lancer la grenade, pas la goupille. Ouais, mais arrête de dire ça, c'est bon. Sinon, je mute. Sinon, je mute la télé. Voilà, c'est bon. Il en manque un. Mais je crois que c'est là. Alors, je vais quand même viser comme ça pour être précis. Qu'est-ce qui tombe pas chez lui? Hop. C'est bon. Non. T'es censé lancer la grenade, pas la goupille. T'es censé lancer la grenade, pas la goupille. Bien joué, les boys. Merde, Dixon nous regarde. Très bien, Nichols, t'es prêt à affronter les Boches. Hé, hey, Dix, ce gars a ça dans le sang. Mague-toi d'aller voir le caporal Dixon. Il est pas un gros au sujet des grenades que j'ai piquées. Eh ben, ils ont leur compte. Tirer sur des casques, c'est mieux quand il y a des Boches en dessous. Récupérez des armes et des munitions dans la tente et grimpez dans ce camion. Allez! Voilà, ensuite faut aller dans le camion, enfin. Nichols, prends Thompson dans la caisse de la tente de ravitaillement. On va en avoir besoin là où on va. Tu peux ouvrir la caisse en cognant dessus avec ton fusil. L'intendant aime bien les clouer. Ah, bon, oh, tout le monde dans le camion, en route. Attention, là, ça va couper. Ok, je vous laisse. Et là, ça va couper, je sais pas. Mais je vais assembler les fichiers avec mon programme. Mon nom est Matt Cullen. Deux choses. Primo, mort ou... Deuxio. À quoi bon? Voilà, deuxième partie. De motivation. Si tu veux de l'inspiration, Huxley, t'as qu'à lire un poème. Quoi que tu fasses, t'arriveras jamais à la cheville du sergent. Bon, écoutez-moi. Aujourd'hui, on avait une mission spéciale. On devait chercher du café et des beignets. C'est mon moment préféré. Le problème, c'est que les frites sont passées avant nous et ils ont rien laissé. Soit. Moi, je dis que ça mérite une expédition punitive. Ou alors, prends-moi un risque tranquillement à la base, hein, tu veux manger des croissants. Ok, nous devons aller fournir un soutien à la place forcée. On arrivera par le flanc ouest. Et n'oubliez pas ce qu'a dit Max Kelly. Attention, ça va péter. Ces deux doigts. Ça me rappelle le pays. Quoi, il y a des Allemands ici? Je croyais qu'on contrôlait le secteur. Ouais, ça dure depuis des semaines. Brouille-toi, soldat! Allez, mon gars, brouille-toi! Vas-y! Allez, tu peux y aller, les gars! C'est pas drôle! C'est les mêmes touches pour tirer et tout ça, là. R1, L1, pour tout ça. Trop des FPS. Ah! C'est fait tuer! Il faut prendre le sergent! Quelle unité, soldat? Allez, ça commence. L'action. Première classe. Troisième section. Notre officier se fait descendre à Martinville.
Ah oui, c'est la cinématique. Allez, c'est parti. Bon, allez, let's go. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ça commence? Tout c'est bon, ça y est. Allez, wouh, c'est parti. C'est bon, j'ai volé son arme. N'importe quoi. Enfoiré de vache. Bon travail. Voilà, le jeu fonctionne parfaitement. Ouais, génial. Le jeu fonctionne parfaitement. Oh, ça c'est génial, mais génialissime. Allez, on va attendre qu'il charge. Parce que j'ai pas envie de perdre toutes les données. Ça prend un peu longtemps là. C'est bon. Allez. On redémarre. Je vais voir si les données de Call of Duty 3 sont dedans. Oui, je sais que peut-être qu'ils sont dedans, mais je vais quand même vérifier. Alors, on ferme le lecteur. Alors, on va ouvrir
la carte mémoire. Oui, regardez, ils sont bien dedans. Call of Duty 3. Comme vous le pouvez voir, j'ai mis la flèche. Oui, là, elles sont là. Voilà. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez des likes, commentez et partagez.